Hello and welcome everyone. Bonjour tout le monde, c'est la bienvenue à la cinquième clinique pour le forum pour le racisme, pour l'antiracisme, l'antiracisme asiatique, salam alaikum, ce qui veut dire la paix soit avec vous, que ce soit pour dire bonjour ou que pour dire au revoir. Je vous donne tous la bienvenue dans cet espace avec cette intention. Avant de commencer la session, il y a quelque chose qu'il faut noter dans le même esprit de collégialité. La conversation qui a instigé n'être pas être invité dans le pays où nous vivons. Donc le pays que j'appelle ma mère chez moi n'est pas en fait chez moi. Mes parents ont reçu leur citoyenneté et ils ont pu être se nommer même des Canadiens. As if the papers that they were provided meant more than providing on leur a donné des documents pour donner accès à un pays qui n'était pas le leur. Je viens d'un pays de paysans du Pakistan parce que la terre est vraiment signifie beaucoup pour nous parce que de se prendre soin de notre terre, c'est de montrer du respect pour nos ancêtres qui I currently live on the land of the Haudenosaunee. Je vis actuellement sur la terre des Américains indiens, des Indiens d'Amérique qui sont régis par trois traités. C'est aussi un pays que beaucoup de tribus indigènes ont voyagé, y compris les personnes qui n'ont pas, ne se sont pas établies ici. Je veux reconnaître la relation que nous cultivons entre chacun les uns avec les autres, ainsi qu'avec la terre. Et notre présence sur cette terre encourage ces relations. Puisqu'il s'agit là d'une forum de la d'éducation supérieure, de prendre plus de personnes indigènes avec des informations pour les individus de ces communautés pour donner des remarques d'ouverture dans les classes. Provide sort of more information about what ceci va donner plus d'informations sur ce que veut dire ces terres pour les individus qui ne seront peut-être pas lorsqu'ils entrent dans l'espace de l'éducation supérieure pour la première fois. Je sais que nous tous pourrions bénéficier de méthodes adaptées à la dissémination de façon alternative dans l'esprit de se rassembler parce que et aussi la saison. Je vous encourage à soutenir les petits commerces. Il y a un nombre de petits commerces pour lesquels vous pouvez soutenir. Il y a peut-être des connaissances The space that we have here today. L'espace que nous avons aujourd'hui va continuer à être sécuritaire et inclusif pour tout le monde. En participant à cet événement, vous êtes d'accord de vous en tenir aux valeurs que je vais discuter. Nous devons discuter et reconnaître que les points de départ pour tout le monde sont différents et qu'il nous faut tous nous réunir autour de conversations gérant l'équité. Nous devons le traiter les uns les autres avec dignité et respect en sachant que tout le monde est venu au forum pour en apprendre et partager et pour reconnaître les meilleures façons de partager et de connaître les uns les autres, c'est de poser des questions. Nous aurons peut-être des conversations assez
traumatique pour notre bien-être physique, émotionnel ou mental. Donc, n'hésitez pas à demander à l'aide. Et je sais que beaucoup d'entre nous doivent s'occuper des autres. En tant que communauté basée dans la communauté, et nous ne nous occupons pas de nous-mêmes. Donc, si vous avez besoin de vous lever, de vous reposer, et c'est complètement OK, et n'hésitez pas à le faire. Beaucoup de cette conversation d'aujourd'hui prendra place dans le forum parce que nous avons un petit groupe très puissant d'étudiants. Beaucoup de l'éducation supérieure est liée au corps enseignant et au personnel, mais l'institution ne pourrait exister sans la voix des étudiants qui militent pour des changements. Aujourd'hui, nous allons avoir une compréhension de comment la relation raciale a pour se servir des universités en tant que petit arrêt pour le reste, dans le reste de leur vie. Je suis une étudiante master en sciences politiques. Je me suis impliquée dans la gouvernance des étudiants pendant pendant mes études de maîtrise. Je serai l'animatrice dans le panel aujourd'hui. Nous avons quatre leaders étudiants qui ont contribué à l'étude, à l'expérience des étudiants de façon importante et je vais passer à nos experts pour obtenir leurs réflexions. Et après une petite introduction, pouvez-vous nous dire pourquoi et comment vous vous êtes impliqué dans la gouvernance de l'université et comment est-ce que votre expérience d'étudiants racialisés a eu un impact sur votre expérience. Bonjour tout le monde. Je suis un étudiant de trois années à l'Université de Manitoba et je fais un diplôme d'anglais et de linguiste de langue. Je suis impliqué dans plusieurs groupes. Je suis le président du conseil et le représentant pour le conseil des étudiants d'aide sciences humaines. À part ça, j'ai un poste dans des choses liées à mon diplôme, tel que des groupes d'étudiants linguistiques et je m'occupe du magazine de mon université. En ce qui concerne la gouvernance pour étudiants, ça m'a toujours été intéressé de m'impliquer. Quand j'ai commencé l'université, j'ai remarqué qu'il y avait des choses à changer et des choses qu'il me fallait, que je pensais être bon mettre en œuvre. Et j'ai pensé qu'au lieu d'espérer que quelqu'un le fasse, j'allais voir si moi-même je pouvais m'impliquer et faire ces choses et espérer effectuer des changements. En tant qu'étudiant racialisé, l'impact que ça a eu sur mon implication en tant qu'étudiant, ça a été un défi, c'est sûr, d'être impliqué parce que j'étais un sur trois étudiants racialisés dans toute ma classe. Et j'ai toujours considéré comme un autre, en dépit du fait que j'avais un contexte semblable aux autres personnes de mon école. Donc, j'ai vu qu'il y avait une grande communauté d'autres étudiants qui étaient racialisés également. Et je pensais que c'était très important pour moi et que je pourrais me sentir autonomisée de prendre des rôles de dirigeant. Et ça a été important pour trouver cette communauté et de me sentir impliquée.
Thank you, Alex, for those insights, your ideas. Merci, Alex, de vos pensées et les initiatives que vous avez prises vous-même et de penser être quelqu'un qui va faire un changement pour les autres. L'université, c'est un peu bizarre, un peu différent par rapport au lycée où vous étiez simplement un parmi quelques personnes racialisées et à l'université, il y en avait beaucoup. Donc, c'était un peu un choc pour beaucoup de monde. Donc, je vous fais mes excuses à ce sujet. Alors, vous donnez-nous une petite introduction, pourquoi et comment vous vous êtes impliqué et comment s'est passé ce processus. Merci, Natacha, d'être l'animatrice de cette session. Je m'appelle Brandon Galli. Je suis aussi à Manitoba, Winnipeg. J'étais d'abord à l'université de Winnipeg, là où nous sommes actuellement. Nous sommes sur le territoire des Indiens d'Amérique, dans le pays des Nishabé, des Cris, les Cree, les Pokelomendene. Et c'est de. I've been to a few of these sort of conversations. J'ai assisté à certaines de ces conversations où les personnes parlaient de où ils venaient, où elles venaient, et nous avons reconnu que là où nous obtenons notre eau et la technologie se sert de centrales hydrauliques à Manitoba, donc ceci est important de mentionner dans ce genre d'espace également. Je pense aussi au pays et à la terre. Mon cerveau n'aime pas compartimentaliser les choses. J'ai grandi à Winnipeg, à 5 minutes à l'ouest dans Port Avenue, qui est une des plus grandes avenues de la ville à Saint-James. Et j'ai décidé d'aller à l'université de Winnipeg à 20 minutes de chez moi. J'ai commencé l'université en 2011. Ça fait déjà 10 ans. Je voulais à l'origine m'impliquer. Je voulais simplement voir qu'est-ce qui se trouvait. J'ai commencé par me porter volontaire pour en tant qu'étudiant et quelques années plus tard, quand je suis revenu, j'ai obtenu un emploi avec mon union d'étudiants et après j'étais un cadre et c'était ma première fois et ma première façon de découvrir ce milieu. Je ne considérais jamais un étudiant dirigeant. Je crois que ça rend les gens un peu. Je n'aime pas toujours parler tout le temps. Je me considère comme un soutien communautaire pour aider les gens à trouver leur voie dans ce cercle et les aider à faire ce genre de changement. Enfin, donc, j'ai fini par servir en tant que cadre 2 ans dans cette unité et après la présidente. J'étais président, maintenant je suis administrateur artistique à Winnipeg pour une galerie à Winnipeg et dans un espace de galerie. C'est un espace que nous venons d'ouvrir à Winnipeg, qui dessert les artistes. J'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passera. Merci beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant ce que vous venez de dire et votre énergie de faire être.
tout ce que vous avez fait est vraiment incroyable, tous ces emplois que vous avez eus, et ça aussi d'aider les étudiants à trouver leur voie et d'avoir un mentorat. Un mentor est vraiment très important. C'est très nécessaire pour les personnes qui sont les premiers individus à s'engager avec l'éducation supérieure. Jeff, vous avez le micro. Thanks so much, Natasha. Merci beaucoup, Natacha. Salut à tous. Mon nom, c'est Deb, Debraline. Je suis née à Singapour et je suis allée en Californie et je suis maintenant à Toronto. Et il y a eu un traité entre les peuples indigènes pour partager le territoire et protéger le territoire. Je suis contente de partager le territoire aujourd'hui et Natacha a vraiment en parlé des Molly, un groupe incroyable de leaders, et je suis aussi professionnelle. Je suis PDG d'une compagnie et je suis aussi je fais le droit à Alexander School et je suis présidente des affaires sociales et externe à l'université. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience dans le leadership, mais c'est ma première fois par rapport à la gouvernance et j'ai eu un rôle à jouer en mai et ça fait 6 mois maintenant que je suis leader et je pense que je devrais parler de mon arrière-plan, comment je me suis positionnée dans mon école, qui est une nouvelle école qui est vraiment qui a la chance d'être positionnée. Parce que à cause de cela, l'année passée, pendant la première année de l'école, j'ai créé l'association des étudiants du Pacifique. Et par rapport à ce que nous avons accompli dans l'année scolaire, et nous partageons des choses dans notre association et avec d'autres associations d'étudiants. Et par rapport à la gouvernance et essayer d'adresser aborder certains sujets brûlants. En termes de mon expérience comme un élève racialisé et une étudiante racialisée, mon voyage, mon implication, je pense que mon arrière-plan, c'est en art, sciences humaines, des performances et donc, vous savez, vous grandissez, vous avez fait des auditions, vous ne savez pas combien de thèses, parfois c'est 5%, 10%, toutes les auditions que vous faites. À cause de cela, je n'ai jamais eu peur de me jeter dehors parce que c'est la seule façon pour moi d'avoir ces rôles 5% ou 10%. Donc, je suis quelqu'un qui veut créer mon propre espace. C'est frayer mon propre chemin et donc oui, c'est cette personne là que je suis. Donc je me mets dehors et j'ai créé en partenariat cette organisation de gens du Pacifique et puis en partenariat avec la gouvernance. Merci pour votre expérience qui est tellement unique avec le fait que vous avez une expérience à l'école de droit et votre expérience dans la politique. Vous avez aussi l'occasion de créer de nouveaux espaces de confiance. Donc j'espère que ça vous a aidé dans votre confiance et aussi de sortir. J'admire vraiment votre courage, votre hardiesse. Mali, est-ce que vous pouvez intervenir absolutely. À ce niveau? Oh, absolument. Mon nom, c'est Molly Burke et puis je suis étudiante en première année et je suis étudiante indigène aussi. I am the student union's je suis une représentante des étudiants indigènes et ça fait cela 2 ans. Et le fait que je fasse partie de la société indigène, je travaille avec la bibliothèque pour que ça se passe bien avec les étudiants indigènes. Je me suis impliquée parce qu'il n'y avait pratiquement pas de représentation au sein de l'université pour les étudiants indigènes et il n'y avait personne là-bas pour vraiment montrer aux autres étudiants qui pourraient avoir une position ici à l'école.
wanted to show. Donc, je voulais vraiment montrer aux étudiants indigènes que c'est possible de faire partie des étudiants en part entière. Et c'est pourquoi je suis devenue impliquée. Mon expérience est vraiment bien passée. Et ça, c'est ma première année à l'université. Et je suis sortie de ma famille pour la première fois et la communauté, j'étais habituée, je n'ai pas vu plus, c'est comme si j'ai ressenti tellement de racisme. Je n'étais pas habituée à cela parce que l'atmosphère où j'ai grandi était très intégrée et puis je sais pourquoi je me suis impliquée au centre des indigènes et ça m'a aidée à être plus confiante en moi et en général. Donc ça a été vraiment une expérience vraiment différente d'être impliquée dans l'association des étudiants qui m'ont vraiment aidée par rapport à mon arrière-plan et je suis vraiment fière de faire partie des étudiants indigènes. Merci beaucoup, Molly, le fait d'avoir cette position pour 2 ans et d'avoir tellement d'accessibilité et créer cet espace dont nous avons parlé plus tôt, 4 personnes avec ses identités. Pour que tu te sentes à la maison et que tu aies un sens d'appartenance. Donc, quand vous êtes complètement nouvelle dans une communauté, c'est vraiment difficile de s'impliquer de cette façon, mais je vois que je suis contente de voir que vous avez bien géré cela et que vous vous sentez à l'aise avec votre compagnie au campus. Merci beaucoup de partager cela. Et je pense que souvent, ceci dit, de façon générale, dans le mécanisme de l'université, les étudiants parfois sont sous-estimés, parfois vous êtes élus, ils sont élus ou bien nommés, parfois le pouvoir est limité, mais aussi en tant que représentant, comme Molly a parlé plus tôt, dans, en particulier dans la communauté et dans certains cas, représentant ce pouvoir, ma question suivante, c'est par rapport à la pression. Est-ce que vous sentez la pression d'être représenté parce que vous représentez toutes ces personnes qui regardent vers vous et elles parlaient d'une position, vous faites référence à quelle position en particulier qui a à voir avec votre identité. Parlant de cette pression, je voudrais demander à Molly, je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez continuer, Molly, la conversation? Absolument, absolument, définitivement, et la pression, la première année, c'était vraiment beaucoup, et tout le monde, être indigène, c'est comme si tu dois entrer dans un box, la façon dont tu parles, tu connais, la façon dont tu ressembles à ce à quoi tu ressembles, ce que tu dois dire à d'autres personnes, l'expérience est tellement différente pour chacune d'entre nous, et parfois, étant venu sur ce territoire, donc c'était une opportunité. C'est comme si on m'a volé l'opportunité d'un autre étudiant. Et quand je suis venue, j'ai été acceptée par beaucoup de gens aussi. Oui, vraiment, j'ai senti constamment, je sens la pression parce que je dois parler pour les autres et cette expérience, et ce n'est pas le cas. Donc, l'expérience est tellement différente et je travaille avec les autres étudiants indigènes dans l'association et nous essayons de communiquer autant que possible et permettre à l'union de savoir ce qui se passe, quels sont les problèmes qui doivent être changés, qu'est-ce que nous devons célébrer. Et c'est une façon dont nous faisons les efforts pour vraiment surmonter cette pression du fait que nous devons parler pour les autres. Oui, c'est pas facile. Donc, c'est vraiment le meilleur que je puisse dire. Et ça, c'était vraiment fantastique. Et ce que je comprends, c'est qu'il y a vraiment cette pression qui est là de parler pour les autres et d'avoir cette position. Mais vous avez tiré votre épingle de jeu parce qu'on parlait d'une communauté. Au lieu d'insister, vous donnez l'exemple. Mais chacun a son expérience qu'il apporte à la table et personne ne peut vraiment modéliser cela exactement. Ryan, est-ce que vous pouvez dire quelque chose?
Et je me sens similaire à beaucoup de ce que Molly disait dans mon rôle de représentant aussi. Je ne représente pas seulement les Asiatiques du Sud, mais chaque personne racialisée et... There is a lot of pressure that comes along with it. Il y a vraiment beaucoup de pression qui vient avec cela. It's definitely a daunting task. C'est vraiment difficile, un rôle difficile à prendre et une tâche vraiment ardue. Et parfois, je pense que peut-être qu'on devrait donner cela à quelqu'un d'autre. C'est comme si je prends le rôle de quelqu'un d'autre qui aurait pu aller à quelqu'un d'autre. Et parfois, je ressens comme si... Kind of just how I feel growing up. Donc, c'est comme ça que je me sens, sentais en grandissant, être né en Amérique du Nord. Et ne pas avoir vraiment de connexion intense avec mon arrière-plan. Et c'était vraiment... Donc, c'est un peu comme ça mon état d'esprit pour cette position, ce rôle dans lequel je suis entrée. Yeah, you're always having to consider donc, vous devez toujours considérer ce que vous voulez, ce que vous voulez différemment de ce que votre communauté veut. Peut-être qu'il y a des autres choses que la communauté vient et apporter tout cela ensemble. J'essaie de parler aux gens que je connais. Also, who are in my own community and other communities. Et aussi des gens dans ma propre communauté. Et j'essaie those and make sure that it's de me rassurer que do exactly what je peux leur demander leur point de vue, mais vous ne pouvez pas faire exactement ce que les autres personnes attendent de vous. Helpful to kind of mitigate that feeling. Donc, c'est un peu sur ce terrain-là que yes, je... Yes, for sure, and that goes back to a lot of... Donc, absolument. Donc, ça rejoint sur ce que Molly, disait plus tôt. Nous devons nous rassurer que nous ne faisons... Donc, je suis aussi de l'Asie du Sud. C'est vraiment intéressant que tout le monde a sa propre opinion sur ce qu'il faut faire. Et quand vous parlez aux gens et les amener ensemble, donc, et puis faire que avec au niveau de la communauté les idées avec lesquelles vous parlez que vous puissiez faire ressortir ces idées le changement c'est ce genre de choses que chaque communauté voudrait voir les choses que je n'ai pas mentionnées n'hésitez pas à intervenir si vous pensez que vous voulez intervenir je ne suis pas votre professeur essayez de Donc, je sais que vous êtes racialisé et vous avez des expériences différentes. Donc, je voudrais changer la question pour alléger la pression. Est-ce que ce genre de pression aussi, c'est pour vous? Yes, absolutely. Oui, absolument. A bit about my student organization. Donc, je vais parler un peu de mon arrière-plan, le gouvernement, 5 exécutifs, et nous sommes 4 d'entre nous sommes racialisés. Je suis aussi chanceuse d'être en dehors de l'école où la majorité de mon boulot est administratif avec des femmes racialisées. Et voilà, je ne sens pas vraiment la pression d'être représentative, d'être représentante ou représentante ou les Asiatiques du Sud ou les Asiatiques en général. Il y a tellement de stress attaché à ça et comme Molly en a parlé, moi, j'ai été élue. Elected position, so I do already have the j'ai une position élue parce que j'ai déjà la pression pour représenter le corps des étudiants et ça vient aussi avec mon boulot, mon travail et en termes de représenter le corps des étudiants asiatiques. J'ai mentionné qu'il y a maintenant une association des étudiants de droit. Il y a la diversité d'équité qui inclut le conseil, les représentants, qui inclut les représentants de toutes ces associations.
racialized students. Il y a beaucoup d'avenues pour les étudiants racialisés d'être représentés et d'avoir leurs préoccupations plaidées pour. Donc, c'est quelque chose que moi aussi j'envisage dans mon rôle. That was excellent. Thank you so much, Deb. Ça, c'était excellent. Merci beaucoup. C'est vraiment fantastique que la plupart de vous, vous êtes racialisés et vous êtes des personnes racialisées, de sorte que vous ne sentez pas cette pression. Donc, c'est vraiment puissant. Et je pense qu'il y avait Molly et Alex ont mentionné cela. Cette responsabilité est vraiment très lourde. Donc, je voulais mentionner le fait que dans les étudiants qui sélectionnent, qui choisissent de participer, on ne les prend pas vraiment au sérieux dans cette position parce qu'ils sont étudiants, alors que nous voudrions focaliser le fait que ces étudiants aussi de l'impact. Oh, même si c'est une position de dirigeant. Moi aussi, j'ai fait partie d'une organisation de musulmans et je suis musulmane, je suis de l'Asie du Sud et il y a tellement de choses. Et puis, on avait beaucoup de situations avec le budget et puis il y avait une grosse responsabilité sur mes épaules d'avoir cette responsabilité et le fait que je devais représenter le corps des étudiants sur un format en ligne, de sorte que je n'ai pas pu atteindre tout le monde il y a cette pression-là et je pense que chacun sur ce panel peut se relier à cela. Donc, pour finir avec ce sujet et continuer avec le débat, est-ce que quelqu'un a une suggestion? D'accord, parlant du sujet dont on a parlé plutôt que les étudiants racialisés peuvent explorer d'autres avenues. Est-ce que ce genre d'idées d'équité pour parler de l'identité, comment nous sommes placés dans les places ou si quelqu'un ne peut pas le faire, vous ne pouvez pas le faire. Est-ce que voilà, les étudiants, les organisations d'étudiants et de groupes qui ont été créés de façon intentionnelle et qui sont concernés avec nous, est-ce que les groupes d'étudiants doivent créer des groupes basés sur la race dans la communauté? Donc, je voudrais, si Brandon peut répondre à cette question. Okay. This one is such a just on my mind so often, EDI. Donc c'est tellement dans mon esprit, tellement de fois. And by no means do I like speaking about this subject in a way that like. Donc je ne voudrais pas parler de ce sujet de façon que ça va diviser les gens. In the implementation of how EDI policies are done. Donc il s'agit de comment implémenter au niveau institutionnel. The piece of EDI that I take most donc ce dont je veux parler c'est l'inclusion. I'm more of a train of thought that when you're an elected person in a position of quand on vous a élu, vous êtes une personne élue à position de pouvoir dans une université. Vous devez reconnaître la position que vous avez, le poste que vous avez. Right. We talk donc, about bottom vous devez savoir que vous êtes à la tête et quand il s'agit d'une position de leadership, vous ne pouvez pas prétendre que, je suis comme tout le monde, je suis cool, je suis comme les autres. Mais la réalité, c'est que c'est un pouvoir institutionnel et nous devons se rassurer qu'on fait une politique d'inclusion, une approche d'inclusion pour essayer d'apporter aussi d'autres personnes qui ont des barrières financières, des étudiants avec ont des dépendances, des problèmes de logement. Il y a tellement de barrières parfois et l'idée de l'inclusion parfois, dans mon esprit. Donc, ce que je pense souvent, c'est que la position de pouvoir
comment je vais engager les gens, comment je vais les croiser dans leurs besoins et quelle est vraiment l'éducation qui serait idéale pour eux. Est-ce qu'ils doivent venir dans nos bureaux pour qu'on puisse échanger et qu'on puisse voilà, parler vraiment cette approche souvent que j'adopte, les croiser. Parfois, vous allez de classe en classe et vous expliquez votre programme et leur donner l'opportunité de voir s'ils peuvent participer, s'ils peuvent venir aussi être impliqués. Like a base fundamental relationship with et you, trouver vraiment une relation de base fondamentale avec chaque étudiant et voir où ils sont intéressés et quels ce qu'ils peuvent comprendre. Donc parler la langue qu'ils pourraient comprendre. Et puis des avenues de mentorat. Donc, quand je pense à EDI, c'est cette composante d'inclusion que j'insiste. Et beaucoup d'organisations n'ont pas cela. Donc, parfois, cette base au sein de l'université, la communauté au sein de l'université. Donc, tous les centres, tous les groupes, toutes les bonnes choses qui se passent dans l'université, donc sortir de sa boule et voir de sa bulle, sortir de sa bulle et voir ce que les autres font, aller dans leurs événements, leurs organisations. Because they're doing way cooler stuff over there. And like, I want to go to that party. Parfois, on a l'impression que, il y a des choses cool qui se passent là-bas. Et essayer de voir avec ce qui se passe avec les autres, par exemple. Je pense que c'est vraiment un plan excellent. Especially in student groups and maybe because we're donc parfois avec les étudiants, les associations d'étudiants, nous n'avons pas la possibilité d'inclure tout le monde sur le campus, surtout. Parfois, il y a les classes, les problèmes d'accès et nous avons besoin de créer ces avenues d'inclusion et nous pensons que nous les intéressons et parfois nous essayons vraiment d'avoir cette relation avec ces personnes. Et parlant du pouvoir institutionnel, définitivement, je vais noter cela, je vais écrire cela dans ma position de représentante, présidente, vice-présidente, juste le titre, avoir ce titre-là, comment juste pour parler, vous dites, je suis présidente de tel. Et parfois, c'est ce genre de choses. Nous devons interagir avec ce genre de choses. Donc, avant que nous ne continuions, en tant que mon président ne s'était jamais introduit comme président. Elle va dire, voici mon nom et voici mes pronoms. Et puis, essayer de relier, peut-être je suis président, mais j'ai aussi un travail, j'ai aussi une classe. Et puis, on a aussi les mêmes challenges, je sais d'être un étudiant comme toi. Et peut-être je suis privilégiée par ce concept pour avoir cette position. Et je voudrais demander à Alex quel est son point de vue sur cette question. Parce que la race, la diaspora, comment ça se passe? Est-ce que vous pouvez nous donner ce que vous pensez? Dans ce terrain en particulier, nous dit votre point de vue. Je suis d'accord sur ce que vous dites par rapport. Ça, c'est comme ça que je le sens really quand je dois m'introduire. Je ne me considère pas vraiment anything, comme un étudiant leader. I think an opportunity that comes with roles like this. Donc, and je pense que this, like, in both my role as racialized representative dans mon rôle comme étudiant représentatif, focus on that, it gives, it definitely allows for more initiative and like
events. Ça a besoin de plus d'initiatives. Specifically geared towards. Et spécifiquement. Or other like. Par rapport aux étudiants racisés. For other EDI par rapport roles, it, à des rôles de EDI, like d'étudiants, de leadership sure. d'étudiants, il y a tellement de pression avec ça. Has the time for it, which, et il y a un temps pour ça. Like in my role as president of et my mon other rôle student council, en tant que président, like, mes autres like collègues happen, étudiants que je dois conseiller, je voudrais vraiment voir cela arriver. Je n'ai pas vraiment le temps de faire cela. Et c'est pourquoi c'est vraiment bien d'avoir un représentant communautaire. Et, parce qu'il y a des choses vraiment difficilement à faire. Et aussi également, for, ça donne l'opportunité newer student leaders, well, pour de nouveaux really étudiants, leaders, dirigeants really, qui ne sont pas vraiment familiers avec la gouvernance par les étudiants. C'est une bonne position pour attirer beaucoup de gens dont c'est la première fois. Really but it provides a good introduction to student governance and et it gives a chance for une introduction to la gouvernance des étudiants et une chance d'être écouté. Je pense que like l'un des challenges earlier, you're representing a whole community in those positions. Quand on représente toute la communauté, like, varying ideas and different groups of people who des différents groupes don't de personnes qui ne veulent pas nécessairement really la même chose. Certains d'entre eux, like, n'ont pas like, s'en foutent même. Event, parfois, ils ne viennent même pas aux événements. Et personnellement, kind of et c'est vraiment un problème pour moi. In my role as racialized rep is, et dans mon rôle, I like other students and je pense people que les kind of autres étudiants, me, oh, it's just a performative role. Mes amis really me disent que oh, vous ne faites vraiment pas grand-chose, donc pourquoi est-ce que ça va te déranger, vous ne faites pas grand-chose. Et puis, les gens voient ces rôles comme ça, ils minimisent ce rôle, et parce que parfois, il y a les gens qui créent ce rôle, et parfois, ils n'écoutent pas les étudiants, et ils ne donnent pas vraiment le pouvoir aux étudiants. Et donc, j'essaie d'être concentrée dans mon rôle et de prouver les gens qui croient que j'ai tort. Et c'est un peu cela. C'est vraiment ces domaines qui sont défiant pour moi, j'ai des défis à ce niveau. Absolument. Tout cela. Of, you know, that EDI roles are just there for the image donc, is something c'est vraiment that, là pour les a lot images of people say, and it is really disheartening, especially et y a des for those gens, who actually want to get involved, but don't see avenues to get involved, qui veulent être impliqués et qui ne voient pas les avenues pour être impliqués. Made for us. Et comme si ce n'était pas fait pour like nous. There, donc, pour dire cela, les défis là-bas, c'est représenter toute une communauté. Il y a des points qui, définitivement, to, et you know, parler sort of un peu to du récapitulatif. Well, et aussi les mentorer, être un mentor pour eux, les superviser, parce que c'est comme une porte d'entrée pour la gouvernance des étudiants. Parfois, les gens ne veulent pas penser que ça peut être bien pour le marketing et ainsi de suite. Et puis parfois, les gens ne pensent vraiment que, oh mon Dieu, j'appartiens là. Donc pour eux, par exemple, mes gens de la communauté, il y a très peu qui auraient appliqué pour ma position. La plupart allaient partir pour, oh, voici quelque part où je peux vraiment faire une différence. Et c'est vraiment un aspect de l'implication, l'engagement des étudiants que vous pouvez apporter. Vous avez dit que vous êtes venu d'un groupe qui est prédominamment racialisé. Quelles sont vos pensées par rapport à cela? So, I think the question, should student associations and groups intentionally create
BDI positions. Donc, je pense que les étudiants qui intentionnellement créent des positions de leader, oui, il y a des positions importantes qui doivent être mises en œuvre de façon réfléchie. Et s'il y en a, vous pouvez juste perpétuer cela. Vous allez perpétuer le racisme et ce qui est le contraire de ce que nous essayons d'accomplir. Et Alex en a parlé. Donc, c'est juste comme si c'est une personne et il y a tellement de travail à faire. Et parfois, pour mettre tout cela ensemble, ce travail et mettre tout ce poids sur une personne, et c'est comme si vous les encouragez à échouer. Donc, nous devons vraiment être intentionnels avec ce que nous essayons de faire. Et Speaking from my own personal experience, donc, parlant de ma propre perspective, as I mentioned, we do have an equity, diversity, and inclusion council. On a une made up of a single representative d'inclusion par rapport aux représentants, un seul représentant des étudiants, association d'étudiants, et communiquer les uns avec les autres et se croiser régulièrement. Donc, l'habilité de vraiment parler de ses préoccupations pour implémenter les changements et dire ça en termes de quelque chose que nous pouvons marchander et voir. Et puis, ça nous garde redevables. Et je pense que nous faisons cela. Really wanted them to have a really nous voulons vraiment qu'ils aient un rôle qui a un sens, qui a du poids et qui n'est pas forcément intervenu. Les politiciens n'interviennent pas dedans ou qui n'est pas forcément politique et qui n'incombe pas une seule personne. Some of the challenges that comes with that is just like how much more time and effort they have to put into this. You know, they're meeting monthly. Certains des défis qui viennent avec ça, combien d'efforts ils y mettent, ils se rencontrent mensuellement au minimum. Donc, c'est quelque chose, c'est quelqu'un qui est en position privilégiée, qui n'a pas besoin d'y réfléchir. Ils n'ont pas besoin de mettre, faire ce genre de travail. Donc, je pense que, ouais, ces positions peuvent être très significatives quand elles sont bien soutenues et qu'on leur donne l'espace d'opérer, d'exploiter, mais il faut le faire avec la bonne intention. Oui, c'était magnifiquement bien dit. Merci beaucoup pour ceci. C'était tellement bien dit. Merci beaucoup. Comme vous l'avez mentionné, mettre en œuvre cette position significative pour ne pas aller vers le symbolisme, le tokenisme. Ce n'est pas ce que nous voulons de toute évidence, surtout en ce qui concerne le montant de travail qu'il faut y mettre. Donc, l'idée de privilège, comme vous avez mentionné, les personnes qui peuvent y mettre du temps et du travail, quand c'est tout est placé sur une seule personne, c'est trop. C'est beaucoup de travail, mais pas d'amour et pas de soutien. Donc, quand vous bâtissez une communauté, vous pouvez aller en groupe et impliquer beaucoup de monde et pour s'assurer que chaque personne mentionne sa propre opinion. Ceci est très, très important. Donc, merci d'avoir dit ça. Avez-vous d'autres pensées de finale avant d'aller de l'avant? Allez-y, j'ai une petite pensée rapide. Pendant que vous pensiez, mon cerveau a commencé à travailler. J'aime bien que vous avez parlé de votre contexte en tant qu'artiste du spectacle. Quand j'ai trouvé pendant que vous parliez que ça m'a fait penser que l'IDI peut être un outil pour l'inclusion, la diversité, l'équité peut être un outil. S'il n'est pas utilisé comme cela de la bonne façon, c'est vraiment un signal d'alarme pour une personne de couleur parce que dans les institutions. S'il n'y avait pas ça, nous ne serions pas dans cette salle tous ensemble. Donc, si nous ne faisons pas attention, les générations futures auront aussi du mal. Donc, dans cette conférence, je pense que, en tant qu'individu asiatique,
et décrivant ma position quand je suis dans un comité ou dans un conseil, quand je pense à l'inclusion, diversité et équité, comment est-ce que je vais m'en servir pour changer une petite politique ou quelque chose d'autre différemment pour que la prochaine cohorte d'étudiants qui vient vont avoir les bénéfices que nous n'avons pas nous-mêmes eu. Merci beaucoup, j'apprécie. J'aime bien voir ce genre de conversation. C'est magnifique de voir ça, surtout quand nous parlons les uns avec les autres, parce que quand vous parlez de changement transformatif, c'est ce qu'on aime bien pousser quand on est dans une position d'étudiant. C'est bien d'apprendre pour en revenir à l'idée que les emplois pour étudiants ou le directorat par les étudiants est très, très important pour faire ce genre de changement. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? N'hésitez pas à prendre la parole. Bon, alors nous allons de l'avant en allant dans ces espaces qui sont dirigés pour les expériences des étudiants. Donc, nous avons une conversation à laquelle nous avons fait allusion avant. Les dirigeants, étudiants dirigeants, doivent représenter d'autres étudiants. Il y a un poids qui est là. Comme je l'ai mentionné auparavant, nous avons mentionné d'agir en faveur des étudiants. Comment vous avez réussi à naviguer ce genre de situation? Quand j'ai vu cette question, j'ai pensé, je sens ça automatiquement. J'ai senti qu'il y aurait peut-être quelqu'un d'autre qui fait ce que je fais moi et je prends tellement d'autres opportunités des autres étudiants indigènes à Winifax, surtout les étudiants à Sinifax donc également, mais j'ai réalisé que le plus je suis engagée avec la communauté, ils sont très contents en tant que communauté, nous sommes contents en tant que communauté d'avoir cette représentation. Quand dans ma tête, parfois, je pense, je dis la mauvaise chose. Si quelqu'un sait que mon expérience est un mensonge et que tout ce que je fais est faux, ce n'est pas ça du tout. J'essaie de trouver les mots pour décrire combien je ressens pour tout ceci. Vraiment, ce syndrome est vraiment embêtant. Ça endommage sentiments envers vous-même en tant que personne racialisée. Et je devrais être fière de ce que je fais, mais je sens toujours qu'il faudrait que j'en fasse plus, qu'il y a encore plus de choses à faire. Il faut que je parle à cette personne et à cette personne avant d'aller même pas aller à un conseil d'administration ou quelque chose de genre. Donc, ouais, c'est vraiment difficile de gérer parfois. Tout à fait. Le fait, c'est que quand vous avez ce genre de poste, vous sentez ce genre chaud de « je n'ai pas assez, je ne suis pas assez, je ne suffis pas ». Donc, pour aller dans ce genre de position, même quand vous fournissez du soutien aux étudiants, vous en faites toujours plus qu'une autre personne dans la gouvernance d'étudiants, parce que c'est une personne spéciale qui se pose des questions de savoir si lui ou elle soutient les étudiants suffisamment. C'est sûr que c'est un travail très difficile, il y en a beaucoup à faire, c'est beaucoup un travail basé sur l'amour. Nous avons commencé la conférence avec les remarques d'ouverture a dit qu'il s'agit là d'un travail basé sur l'amour et je crois que nous pouvons l'étendre
aussi au à la gouvernance des étudiants. Alors allez-y, cher monsieur, parlez-en un peu. Le syndrome, je l'ai également. Je pourrais en parler pendant une heure. Je crois que c'est moi qui radote et qui me semble, si j'arrête de parler, ils vont comprendre de quoi je parle. Mais maintenant, je le sens, c'est sûr. Je n'ai pas fait qui est inclus dans la gouvernance d'étudiants cette année, donc j'ai pu réfléchir à ces expériences, qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'y ai mis, quels ont été les résultats. Mais avec peut-être quelqu'un d'autre pour moi. Il y a une autre question qui m'est venue à l'esprit. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a des personnes. Souvent, quand je parle à mes collègues, à mes amis, ils me disent, ouais, peut-être que je ne devrais pas le faire. Je les rappelle que si vous voulez une meilleure personne pour ces rôles, vous ne pouvez pas y aller à moins que vous vous portiez candidat ou... Vous portiez volontaire parce qu'il y en a qui, des étudiants riches blancs qui voient une opportunité et qui veulent soutenir l'institution et pas les étudiants. Je ne veux pas faire de stéréotypes anti-blancs et stigmatiser tout un groupe de gens, mais pourquoi pas, je l'ai vu, ça s'est passé et je veux que vous saisissez l'opportunité. Quand il s'agit des expériences, s'ils veulent voir un meilleur avenir pour la communauté, c'est quelque chose que je réfléchis, quelque chose d'autre sur l'histoire des imposteurs. Quand j'étais cadre dans mon union d'étudiants, là où je me suis sentie le plus... pas réel et pas honnête ou sincère, c'est dans ces meetings, réunions avec les administrateurs et les corps enseignants. Il y avait une personne là-bas qui vous faisait vous sentir inclus. Là où je me suis sentie le plus honnête et sincère, où j'ai senti que j'étais honnête, c'était en tant que dirigeant avec les étudiants et les aidant à les soutenant, à tenir et à militer en leur faveur. Et s'ils ont, ils ont besoin de soutien de la part de l'Union et d'essayer de relier ces deux espaces. Quand j'ai commencé aux collègues, c'est les personnes qui viennent après moi, quelle que soit la réunion où nous allons, que ce soit à une réunion du conseil d'administration ou autre. Vous êtes là pour représenter les étudiants. Quand vous êtes à les réunions, vous êtes la personne la plus importante parce que sans vous, ils n'auraient pas un travail, ils n'obtiendraient pas leur paye. Donc, les personnes si vous vous exprimez, vous arrivez à faire des changements pour les étudiants, et si vous n'y arrivez pas, vous devrez donner votre démission. En fin de compte, nous essayons de fournir de l'éducation aux personnes qui en ont besoin. No, 100%. What struck me the most is when you said you're the most important person in those spaces. Donc, quand vous dites que vous êtes la personne la plus importante dans ces espaces, parce que les réunions avec l'administration, vous savez que c'est un peu bizarre parce que vous êtes la personne la plus jeune ou la plus racialisée. Donc, je prends en considération quelle est ma place dans cette salle, mais comme vous l'avez mentionné, il n'y aurait pas d'emploi sans vous. Ils ne pourraient pas faire leur propre emploi de militants eux-mêmes. Donc, le syndrome de l'imposteur, il y aura des ateliers à ce sujet, nous en avons parlé beaucoup. Et comment est-ce que nous surmontons le syndrome de l'imposteur? Eh bien, faites une liste de ce que vous avez accompli et même avoir essayé d'être admis dans une université, vous en avez accompli beaucoup. Et dans votre vie personnelle, vous n'êtes pas seulement un étudiant ou une étudiante, vous êtes aussi dans des situations où vous aurez à faire des
des choses importantes telles que prendre soin de vous-même. Et vous êtes un individu, un être humain. Et vous, s'il vous faut demander de l'aide à quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à le faire. Est-ce que quelqu'un veut parler du syndrome de l'imposteur? Non. All right. Deb, absolutely. Thank you. Allez-y. So, I think I need to provide some context and say that when I was meeting with Natasha. Dans le contexte, quand j'ai rencontré Natasha pour discuter le panel, j'ai dit ne pose pas cette question, je ne veux pas en parler. Mais voilà, Molly et Brannan y ont parlé et ça a bien résonné, a touché une corde sensible en moi. Donc, je ne voulais pas parler de ce sujet parce que je pensais que j'avais une relation en conflit, conflictuelle avec ce concept. C'est quelque chose qui a été très réel dans ma vie, mais donc je combats et essaye d'arrêter. J'avais peur, je crois, d'essayer d'y aller plus en profondeur et de inhumer ces sentiments de syndrome de l'imposteur. Donc, je ne voulais pas m'engager avec cette question. Mais en vérité, ça existe encore un peu. Je ne sais pas si vraiment vous pouvez vous en échapper complètement. Mais il y a des choses plus importantes que le syndrome de l'imposteur. Mais c'est quelque chose que j'essaye activement de verbaliser quand je pense que cela est nécessaire. Yes, no, absolutely. Yes, Molly, you have something to say. Oui, Molly. I find it really interesting the fact that je trouve que c'est très intéressant que tous ceux d'entre nous qui sommes racialisés, nous avons tous le syndrome de l'imposteur. Je crois que c'était seulement moi qui le ressentais. Mais me sentais qu'il fallait que je sois quelqu'un que je n'étais pas. Je ne sais pas, j'ai trouvé ça très intéressant vraiment que nous avons fait l'expérience de ce même syndrome de l'imposteur d'une façon ou d'une autre. Oui, tout à fait. Ce n'est même pas quelque chose de conscient. Dans d'autres voix, c'est vrai que vous n'appartenez pas à un certain espace, mais c'est intéressant que nous avons tous ces similitudes. Je l'ai déjà mentionné dans cette conversation et je m'y identifie également moi-même. Parfois, vous sentez que vous ne sentez pas inclus, mais il faut vous sentir que c'est vous, mais ce n'est pas vrai que vous appartenez à cette situation. J'adore vraiment cette conversation et je suis vraiment désolée et très... je ne suis pas contente que nous ayons presque fini. Mais voici ma prochaine question. Nous avons parlé de privilèges auparavant, mais voici une question à ce sujet. Et je vais demander à tout le monde discuter de cette question. Nous en avons un peu parlé ici et là, mais la participation à la gouvernance des étudiants est un privilège. Ça veut dire que nous avons accès à des opportunités d'implication et de participation que d'autres personnes n'auront peut-être pas. Et comment est-ce que nous pouvons encourager les étudiants avec des facteurs intersectionnels, que ce soit genre, emplacement géopolitique, pour s'impliquer? Est-ce que c'est quelque chose qu'il nous faudrait leur dire? Parfois, c'est le cas, dans le cas du militantisme auprès d'universités, ça comprend l'accessibilité à des conversations autour des thèmes universitaires. Mais en tant qu'étudiante de master, j'ai pleuré en sortant de classe et certains de mes amis qui faisaient leur master, j'ai demandé, c'est moi ou je suis complètement idiote? Mais donc, je crois que j'ai décrit ceci en mai et je ne suis pas encore dans l'état d'esprit d'universitaire, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que nous pouvons faire quelque chose, cet espace sécuritaire et pour les personnes intersectionnelles. Si quelqu'un a quelque chose à dire, n'hésitez pas à prendre le micro parce que je ne suis pas trop sûre de ce que je voulais dire.
Molly. Yeah, hi, okay. Yeah, I definitely... Molly, bonjour. Oui, je crois que atteint, rejoindre les groupes qui veulent avoir de l'égalité, c'est la meilleure façon de les impliquer. Je pense que de travailler dans le, avec les personnes indigènes, elles ne se sentaient pas à l'aise d'aller dans le bâtiment de l'Union parce que du fait de l'expérience qu'ils y avaient eue et amener des personnes qui font partie du gouvernement, des étudiants dans la et alors avoir des conversations tournant autour de votre opinion est importante et comment puis-je vous aider? Ceci est très, très, très important, ainsi que d'écouter, d'éduquer les classes à ne pas seulement enseigner que votre point de vue concentré sur les Blancs. Mais je pense que s'il s'agit là de bonnes façons de rendre les groupes de personnes racialisées plus à l'aise dans leur école, dans l'université, et de leur faire savoir qu'ils ont de l'importance et que leur voix est importante, je crois que c'est un grand enjeu. Que je pense que beaucoup les personnes racialisées se sentent comme si leur voix n'était que symbolique pour l'école. Et une fois qu'ils ont partagé leur point de vue, maintenant, on s'en est débarrassé. Maintenant, on peut en revenir à ce qui nous est, ce qui est important. Je crois qu'il faut leur faire comprendre que leur voix est importante et que toutes les voix des personnes racialisées sont importantes. Donc, il faut leur faire comprendre tout à fait que leur voix est importante et il faut s'éloigner des visions, sans concentrer sur l'Europe. La plupart de ma famille, nous sommes des paysans du Pakistan. Nous vivions dans le village, nous étions illettrés. Mon arrière-grand-père était analphabète et on me disait, oui, c'est ce qu'il faisait. Mais les conversations en sont toujours, tournent à l'oubli. Maintenant, il est tellement âgé que nous perdons des pièces de notre histoire. Et souvenez-vous que ce genre d'histoires sont très valables et pas du tout concentrées sur l'Europe. Et c'est comme ça que nous pouvons établir un historique de ce genre de peuple. Et c'est très important de les inclure dans la conversation. Et j'espère que je n'ai pas trop parlé au cas où quelqu'un d'autre a quelque chose d'autre à dire. Who has a thought that they can provide to the conversation? Yes, Deb. Qui c'est qui a une pensée à fournir à la conversation? Oui, mademoiselle. Merci, Molly, d'avoir commencé cette conversation. Je veux faire le suivi sur quelque chose que Molly a dit. Comme je l'ai mentionné plus tôt, mon école, mon université est très, très nouvelle. Je fais partie de la première cohorte d'étudiants et notre université, l'un des préceptes, c'est l'équité, la diversité et l'inclusion. Beaucoup d'étudiants qui sont arrivés à notre école de droit y auraient été attirés. Ça, c'est mon cas. C'était une des raisons principales pour lesquelles j'ai proposé ma candidature à cette école de droit-là. Donc, je pense que ce ne serait pas quelque chose qui est ajouté à une liste de choses qui sont attrayantes au sujet de l'école, mais c'est central à l'école. Non seulement cela crée cet espace, mais ça autonomise les étudiants à s'engager également. Et notre gouvernement d'étudiants, c'est pour ça que nous avons un conseil d'inclusion, diversité et équité. C'est pour ça qu'il y a tant d'étudiants qui activement essayent de créer des espaces sur le campus. Nous sommes une très, très petite université avec seulement 300 et quelques étudiants et à peu près 40 organismes avec chacun, chaque dirigeant. Donc, ça veut dire que beaucoup d'étudiants sont des dirigeants de l'école et les personnes sont autonomisées à le faire parce qu'elles se trouvent à tous les niveaux. Il y a un engagement de la part de l'école et de l'administration du corps enseignant. Donc, tout le monde se sent autonomisé à faire de l'espace, à créer un espace sécurisé, sécuritaire et simplement pour créer de l'espace. Definitely, making that space is incredibly important. Oui, créer cet espace est incroyablement important, surtout quand vous êtes dans une position de pause après avoir reçu votre diplôme de master. Donc, ceci se passe
in that sort of space as well. Donc, c'est là où il se trouve. Donc, j'aime ce que vous avez dit du point de vue de l'implication de l'école en tant qu'institution, d'être autonomisée pour faire que les étudiants se ressentent autonomisés et établir un espace sécurisé. Donc, je sais que nous avons parlé beaucoup d'inclusion, diversité, équité, mais il y a beaucoup d'interactions au niveau de la classe sociale et du genre qui est important du point de vue de l'implication, comme vous êtes tous impliqués. Vous savez qu'il y a beaucoup de temps qui est utilisé à des postes d'engagement quand ce temps pourrait être divergé vers le travail ou vers l'engagement dans les soins aux enfants ou l'élevage des enfants. Donc, que pouvons-nous faire pour inclure ces personnes dans notre conversation et créer un environnement inclusif pour nous assurer que les personnes... les besoins de ces personnes sont incroyablement importants et que nous les prenons en considération également. It's hard, right? And it's something that we difficile, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous... Brandon, est-ce que vous avez quelque chose à dire ou vous leviez la main? Oui, oui. Allô, allô? I've just this example. And how we can c'est un exemple de comment on peut s'emmêler dans les politiques. Dans mon université, il y avait un moment où il y avait des débats en toute l'année sur les étudiants qui avaient un enfant. L'université devrait payer, nous devrions faire si. Ça vient de l'université, mais nous allons les payer parce que ça se passe maintenant. Je crois que c'était un peu un échec de la part de l'Union des étudiants parce que ça prend une année entière et pendant cette année, il y a eu beaucoup de difficultés au niveau des étudiants et d'accès à ces changements. Or student organizations can get caught up into the messiness of. Je crois que les organisations peuvent s'emmêler dans s'empêtrer dans ce genre de problème. Mais je veux parler des privilèges du gouvernement, d'être dans la gouvernance étudiante est un privilège. Quand je travaillais et je pensais, j'ai beaucoup réfléchi à ceci, ma conclusion, c'est que d'un côté, il y a le privilège. Dans l'éventail du directorat des étudiants. De l'autre côté, ça ne finit pas avec l'étudiant. À mon avis, ça finit avec ces personnes qui ne sont pas à l'université. Comment est-ce que nous brisons les barrières même en tant qu'étudiant? Peut-être ça a à faire avec votre expérience, dans votre grade, ou du fait d'autres choses qui se passent dans votre vie, ou du fait de restrictions financières. Donc, il y a des choses qui s'écoulaient vers moi. Et quand je garde en esprit, quand je rencontre l'administration ou avec les MP, ou de parler de... Il faut vraiment se battre pour l'éducation. Et comment ça... Pas tout le monde... tout le monde devrait avoir accès à l'éducation supérieure. Personne n'est obligé, mais il devrait avoir le choix. Si vous voulez faire et que pour vous ayez le choix de faire ce qui vous plaît. Oui, c'était excellent. Je pense que c'était vraiment parfait. 100%, il y a la nécessité de la part des personnes qui ont des positions de pouvoir en dehors du directorat des étudiants de rendre la chose accessible aux étudiants. Je sais qu'il y a d'autres petits que je n'ai pas mentionnés parce que nous sommes dans cette conférence se passe à Toronto, mais d'autres universités ont eu des problèmes de mettre en œuvre des petits changements, que ce soit donner des pas, laisser passer aux toilettes ou donner des toilettes sécurisées ou des espaces sécuritaires pour que les étudiants n'aient pas peur de marcher dans certaines universités, dans certaines régions autour de la région de Toronto. Est-ce que vous avez des réflexions supplémentaires?
Oh, all right. Well, thank you all. Merci à tout le monde. Oh, you looked like you were about to say something, Brennan. Ah, vous alliez dire quelque chose? Je voulais simplement remercier tout le monde. J'en ai beaucoup appris et j'ai apprécié apprendre beaucoup et l'apprentissage réciproque qui s'est passé ici. Oui, ça a été un panel magnifique. J'ai pu vous être votre animatrice. Tout le monde était magnifique et c'était vraiment des points incroyables pendant toute la conversation du début à la fin. Je vais prendre une petite minute pour des remarques de clôture. Merci Debra, merci Alex, merci Molly, merci Brandon d'être venu vous joindre à nous aujourd'hui. Nous étions très nerveux. Je ne sais pas si vous le savez dans le public, mes mains tremblaient. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je suis contente que nous avons eu un espace confortable pour avoir ce dialogue qui est incroyablement important pour pouvoir bavarder avec des étudiants partout au Canada. Je sais que pas tout le monde de toutes les provinces ne sont représentés, mais nous avons un début, peut-être la prochaine fois nous aurons, que nous ferons ce genre de conversation, nous pourrons inclure plus de personnes dans cette conversation également. Donc j'ai aimé, je suis sûre que le public est d'accord que vous avez été vraiment incroyable et que tout le monde a vraiment aimé écouter vos points de vue. Et pour clôturer la session, je vais commencer avec Ariana et je parle à tous les étudiants dans cette salle et partout ailleurs, si vous ne pensez pas que vous soyez impliqué ou pas. Je vais commencer à vous n'êtes pas assez célébré, vous devrez être célébré pour tous les aspects de votre croissance, de votre créativité, votre intrépidité et tous les efforts que vous mettez à bâtir votre avenir. Et sur ce, je vais vous voir dans le panel plénière numéro 6. Salam alaikum, que la paix soit avec vous.